La volonté des deux clubs et surtout du club de football, c'est de s'associer avec tous les clubs autour de la région. Donc on a commencé bien sûr par le rugby, on continue par les Sumas. La volonté aussi, c'est de s'entourer aussi d'un maximum de clubs autour de nous. On doit être le moteur pour accompagner aussi et puis venir dans notre famille, qui n'est pas que football, qui est une famille en général de tous les sports confondus. Bon, c'est le club phare de la région, c'est le club professionnel de la région aussi. Donc c'est louable de sa part de venir aider un petit peu des clubs amateurs comme nous, qui ne sommes que des amateurs avec que des bénévoles. Donc c'est vrai que pour nous c'est un plus parce qu'on peut apprendre au niveau du professionnalisme. Et puis on peut s'épauler, Daniel est toujours là pour nous aider. Et donc voilà, remercier Daniel pour ce qu'il fait. Très content que le Sumo arrive. Et puis on fait tout pour développer le sport dans l'Aube. Donc voilà, fédérer et puis essayer de faire ensemble qu'on ait tous un esprit sportif au bois et qu'on véhicule toutes les valeurs du rugby, du football et du motoball. Je tiens à remercier Daniel Mazzoni de nous avoir invités puis d'avoir créé cette dynamique autour du partenariat. Avant tout, je suis le premier supporter du Sumo, mais je suis aussi le premier supporter de l'Estac. Et quelque part, ça faisait 2-3 ans que j'y pensais, puis que ça m'embêtait de qu'on n'arrive pas à créer de lien. Et puis quand Daniel nous a tendu la perche, oui, bien sûr qu'on l'a pris. On a besoin de l'un et de l'autre. Je me rappelle qu'en début de saison, on était faire un entraînement physique au rugby, ce qui nous a apporté aussi une bonne convivialité entre nous. J'espère que demain, on ira peut-être faire un entraînement avec l'Estac. Et puis voilà, je sais que l'an dernier, on avait fait aussi un petit partenariat en faisant venir les joueurs de la Gambardella qui avaient gagné cette coupe. Donc on les avait tous mis dans un pick-up et puis on les a fait faire le tour du terrain devant notre public. Je trouve que tout le monde avait bien aimé, je pense. Le sport, c'est une grande famille. On a besoin de l'Estac, on a besoin du rugby. On a tous besoin de nos bénévoles aussi, c'est ce que je dis souvent. Ça serait bien des fois qu'on puisse créer des fois un pôle de bénévolat parce qu'on est tous à la recherche de ce qui se fait le plus rare, le bénévolat gratuit. Puis très très heureux et très fier de vous avoir à mes côtés et de partager ces bons moments, que ce soit dans le football, dans le motoball ou dans le rugby, avec vous tout au long de ces années qui vont arriver encore.